avait braconnié le lièvre. Prétendons-nous au même office? Aspirons-nous au même objet? Sous-lieutenant, sous-bénéfice, trône ou fauteuil? On se projette, mes bons amis, que Dieu nous serve. Mais comme entre nous tous, il n'en peut servir qu'un, d'un travers, d'un longtemps commun, qu'au moins sa bonté nous préserve. Des vœux sont-ils des droits? Non, camarade. Eh bien, qu'au bonheur d'un rival notre raison pardonne. Nous a-t-il dépouillés pour s'emparer d'un bien qui n'appartenait à personne? Deux braconniers chassaient le long d'un bois, étrangers l'un à l'autre et pour gain et pour perte. Mais, bons amis, l'un d'eux était un vieux matois, l'autre jeune et parfois plus étourdi qu'alerte. Il voit passer un lièvre et s'écrie aussitôt, débruité, ce qu'il doit taire. Le vieux routier, tout au contraire, d'ajuster sans dire un seul mot. Et, pan, voilà le lièvre à terre. Quoi? Dit le bavard étonné, et qui, dans son dépit, avait presque la fièvre. Quoi? Venir jusque sous mon nez? Venir me prendre ainsi mon lièvre? Lui, ton lièvre? Mais tu fous? Te moques-tu des gens? Dit l'autre en se jetant sur la pièce abattue. Ton lièvre? Dit le mien. Le lièvre qui court les champs t'appartient, mon ami, qu'au chasseur qui le tue.